Et yo tout le monde, c'est Eagle State, et on se retrouve pour le 17ème épisode du Let's Play sur Pokémon Let's Play Diamond Azure Challenge. J'espère que vous allez tous bien, écoutez-moi, en tout cas ça va super, sans plus attendre on va continuer, j'ai vraiment hâte. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur ce jeu. Du coup j'ai un petit peu, je suis un petit peu impatient, un petit peu. Ok. Bon, c'est un petit peu énervant ce Pokémon quand même. Voilà, c'est bon. Ah, on pouvait avoir Fampi, d'accord. Fampi, j'aime bien, moi. Pokémon de la 2G, très intéressant. Hein. Franchement, bah, Donphan est beaucoup joué pour, son tour, pour ses tours rapides. Alors, je sais pas s'il est OU, mais en tout cas, je le vois assez souvent sur, sur Pokémon Showdown. Blablabla. Alors, ici, on va mettre quoi? On va mettre toi. J'ai cru que c'était lance-flamme, j'ai eu peur, mais je me suis dit non, lance. Oh, Hippopotasse! Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Ah mince, c'est même pas ça, moi. Ok. Alors, bonjour, non. Je sais plus si il y a des Pokéball. Bon, j'ai un peu la flamme d'aller vérifier parce que. Voilà. En fait, le truc qui est hyper énervant ici, c'est qu'on rencontre des Pokémon partout. Mais vraiment partout. C'est-à-dire que c'est même pas des hautes herbes, on rencontre des Pokémon. C'est super. Elle a un parapluie. D'accord. Tout est normal, hein, tout est normal, bien évidemment. Allez, sa belette au dodo. Il est hyper résistant, mon dieu. Allez. Va te coucher. C'est bon. Alors, ici, qu'avons-nous? Encore... Punaise, elle est hyper longue. Parce que vous vous souvenez pas sur... Enfin, vous vous souvenez peut-être, mais... Enfin, moi, je m'en souviens. Sur la carte, on voyait... La carte qu'il y a dans les centres Pokémon, on voyait... C'était un pixel. Enfin, c'était un carré de carte. Donc, c'est-à-dire que normalement, la zone est extrêmement petite. Hein. Donc là, on devrait arriver à la prochaine ville. C'est quoi, c'est la ville? C'est quoi la ville d'après? Je crois que la ville commence avec un G, ça met pas... GR. Gros... Gros quelque chose. Il en a pas marre de Miss. Par contre, juste là, peut-être quand même que je fasse un petit peu attention. Tu te calmes tout de suite. Parce que les Pokémon font des attaques un petit peu random. C'est-à-dire que là, j'ai un Pokémon de type vol. Il a fait séisme. Donc, pas trop d'anticipation dans ce jeu, quand même. Ouais, non, même pas du tout. Ouais, non, faut pas jouer en... Ouais. Enfin, faut anticiper, mais pas de façon logique. Faut anticiper de la façon du jeu. C'est quoi, ça? Non, non, dégage. Ok. Et on n'avait pas récupéré une CT tout à l'heure? C'était 37... Ah si, bah oui, forcément, c'est tempête, ça bloquait. C'est quoi ça? Ok. Donc il va falloir utiliser force, je suppose. Hop. Et bon, on va la prendre à Deino. Rien, aucune règle ne m'interdit d'apprendre des capacités des CS. D'avoir un esclave à CS qui ne doit pas être enfin, dans l'équipe. Enfin, on s'est compris, hein, voilà. Le Pokémon le moins probable au monde. Un sans coquille dans un désert. Il a beau être type sol, je suis désolé. Que je soigne quand même. Peut-être que je soigne. Parce que je... là, j'y vais un petit peu en mode YOLO, mais... Ok, donc l'air cutter. Ah oui, Kaorin quand même. Est-ce que j'ai de l'argent? Il vient de faire ultra laser. Super. Ultra laser qui n'a rien fait, hein, comme vous le voyez. Ah, oh, c'est qui ça? Oh, un Libégon. Ça, c'est un Libégon. Qui a un Libégon? Personne n'a un Libégon. Non, est-ce que le maître de la ligue, il a un Drattaque? C'est professeur Jasmine, ça? Non, je me trompe.
Alors, il y a une inscription et des piliers. Trois piliers, ça fait penser à un trio de Pokémon. Enfin, les piliers, on dirait des têtes, hein. Des têtes avec ma coiffure, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais bientôt aller chez le coiffeur, moi, je pense. Puisque d'ici le premier épisode, normalement, j'ai plus cette... cette touffe, j'ai plus ce plumeau au-dessus de ma tête. Ok, là, 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 là. Ok, Grommunt. Ah, Grommunt! C'est pas Grommunt City, après? Ok, d'accord, d'accord. Non. Ok, alors, si j'ai bien compris, en gros, il y a une plaque donc qui est ici. Elle a réussi à la découvrir, et normalement, il y en avait trois. Elle a trouvé la deuxième dans le... Elle a réussi à trouver la deuxième et elle va l'étudier au son labo. Et si on trouve la troisième, il faut absolument lui apporter rapidement avant que les Pokémon légendaires ne détruisent le monde. Puisque ces trois plaques permettent de résoudre la création de l'univers. Enfin, la création des Pokémon. C'est plutôt le truc complexe. Oh, une Pokéball. Ah oui, est-ce qu'on a de l'argent? C'est la question que je me pose quand même. Est-ce qu'on a de la money? Oh oui. Ah oui, on a de la money. Ah oui, là, là on a de la YouTube money, là. Attention, on a l'argent des abonnés, les gens. Alors, toi, t'es pas un dresseur, donc tu n'es pas un dresseur. Qui a la traîne, là, au niveau des Pokémon? Lui, mais je peux pas l'entraîner maintenant. Oh, j'ai pas vu Zoroark. Zoroark, ça fait longtemps qu'on l'a pas entraîné depuis quand, Zoroark, franchement. Enfin, vraiment entraîné, je veux dire. Allez, c'est parti. Ah, mais il y a des Pokémon... Non, il va avoir des Pokémon roches, lui. Oh, c'est bon, des roches, ça passe. Ah, ça passe moins bien, là, d'un coup, hein. Punaise, il a Camerupt. Camerupt, attends, il a des attaques roches, sol et feu. Bon, ça va. Ah, il a des attaques combat. Bon, ouais, ça passe. Allez, vas-y, Zozo. Ok, midlife. Lance-flamme. Oh, le coquin. On le met KO, là, j'espère. Okay. La violence. Oh, yes, c'est juste après, merci. Merci, mon... Merci, mon brave. Allez, lâchez-moi, les Pokémon. Surtout toi, son coquille, t'as rien à foutre, là, sérieux. Laisse-moi passer. Merci. Ok. Je vis à Grommunt City depuis que je suis né. J'aime vraiment cet endroit. Il fait chaud, mais c'est vraiment joli. On va essayer de gratter un Pokémon comme à chaque fois. Ok, ça on s'en fout. Soft, c'est du sable doux. Ça se vend cher, ça. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé, excusez-moi. Ah, oh, un Galekid. Ah, oh, si on nous offre un Galeking, ce serait stylé. Moi, je suis partout dans un délire où dans chaque ville, on nous offre des Pokémon. Hein. De toute façon... Ah! Tordal. Torkoal. Qu'est-ce que c'est? Bah Onyx, techniquement, il va tenir le poids métal, il va vouloir en Stylix à mon avis. C'est quoi Torkoal? On a déjà... Torkoal, attends, on va regarder. Y a pas un truc pour trier? Search. Select. Aïe. D'accord. Donc c'est... On n'avait pas capturé un. On n'a pas capturé un Pokémon. On n'a pas capturé ce Pokémon.
Ah non, me dites pas, je crois qu'on l'a mis KO en plus. Je crois qu'on l'a mis KO, mon dieu. Putain, on aurait pu avoir un Pokémon hyper stylé. Mais je pense qu'il y en a encore d'autres, parce que d'habitude, ils donnent des Pokémon, ils font pas que des échanges. Enfin, j'espère. C'est quoi, ça? Putain, c'est stylé, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est stylé. Ok. Donc, c'est un muséum. Alors, qu'avons-nous dans cette ville? On a un centre Pokémon, on a ça, d'accord, une mine. Moi, je veux des Pokémon. Enfin, je veux un Pokémon. Ok, c'est fermé. Ah, il y a une boutique, par contre, ça, c'est cool, ça. Ok, miam. Alors, du coup, on a quand même 5 Pokémon dans l'équipe, hein. Hop. Oh non, on l'a pas. Non, je suis dégoûté. On n'a pas Torko. On n'a pas Chartor. Donnez-moi des Pokémon, vous, là. C'est pas gentil, vous êtes pas très accueillant. Hein. Allez, toi, tu m'en donnes un. Toi, tu m'en donnes un. Mais ils disent la même chose! Ils me saoulent. Toi, tu me donnes un Pokémon. Oh. Toi, tu m'en donnes un. Toi. Oh. Toi. Oh. Oh. Il y a une arène, ok, il y a une arène. Ouais, une arène seule, à mon avis. Hein. Il n'y a vraiment pas de Pokémon à donner, là. Je peux pas gratter un petit Pokémon, sérieusement? Si, toi, tu m'as enfilé un, toi. Peut-être... Ah, des Pokémon fossiles, à mon avis, on va réussir à gratter ça à l'intérieur. Je me suis soigné, oui, je me suis soigné. Donc, entre les deux épisodes, hein, comme je l'avais dit... Ok, comment on rentre avec un ticket, ça? Oh, je sais pas comment on fait. Comme je l'avais dit, j'entraînerai Cacnea entre les deux épisodes là, qui vont venir. Mais sérieusement, il faut que je vais aller faire l'arène avant. Moi, je veux un Pokémon. Ils m'ont saoulé, là. Moi, je veux un Pokémon, wesh. Ah. J'aurais capturé Chartor, mais vraiment le pied, quoi. Non, mais je tourne en rond en plus. Ah! Ah! Eh, je suis désolé, mais cette arène est temporairement fermée parce que son leader travaille à la mine de Gromant. C'est le seul à pouvoir la réouvrir. Si tu aimes, je peux te donner un ticket pour le muséum en attendant. D'accord, je me casse avant la fin de la musique. Super. Ok, bah c'est cool. Donc ça fait un petit peu à Charbourg comme dans la 4G. Great Ball. Ah oui. On va prendre des Great Ball quand même, parce que ça revient cher les Ultra Balls. On va faire ça comme ça. Hop, ici on va en prendre 5. Donc comme voilà. Super potion. Bah, super potion, attends, c'est peut-être plus utile. Ils mettent les objets utiles au moment où ça l'est plus trop. C'est super ça. Ah, ils ont tous 100 PV. Hein. Je vais en prendre... Voilà. Et on va vendre un petit peu des objets. Donc le multi-expérience. 1500, super. Du miel. Non, on va le garder. Ça en garde. Des revives, ça me sert à rien, ça. Hop, 2 revives, ça fait 1500.
J'ai un fossile vol. Ah oui, bah on va l'avoir là, à mon avis, le fossile vol. Dis donc, les gens. Bah oui, on va l'avoir ici. Allez, faites-moi revivre mon Pokémon. Armaldo. Oh, Armaldo, il est tellement stylé. Je pense qu'Armaldo, c'est mon Pokémon fossile préféré. Kabutops, c'est hyper stylé en vrai, mais je sais pas. Ah, des Pokémon. Des Pokémon préhistoriques sont hyper, hyper stylés en vrai. Mais Ok, donc ça va être là. Ça va être ici. D'accord. Sérieux, on est dresseur. Ah, il y a la Team Steam, d'accord. Et eux, ils sont au calme, on s'en fout, tout va bien, quoi. D'accord. Bah ouais. Je sais pas. Je serais un petit peu plus paniqué que ça, moi, personnellement. Enfin, je sais pas. C'est vrai que j'oublie tout le temps, il est type sol, lui. Hop. Et on fait... Faudrait que t'apprennes Air Square, quand même. Voilà. Du coup, on va mettre qui? On va laisser Zoroark, écoutez. Un petit Rapion meurt. Petit Cornèbre meurt. Pardon. Je suis désolé. Hop, voilà. Le Tauros, on va switcher parce que j'ai pas envie de me prendre... Oula, j'ai eu peur. J'ai pas envie de me prendre une attaque trop puissante dans la tête. Voilà, et là, t'es KO. Bah dis donc. Oh, il est KO. Shadow Punch, on s'en fout. Faudrait trop que j'ai le Rocky Helmet en vrai. Le casque brut, pardon. Ça me serait tellement utile, les gens, vous savez même pas. Hop, toi t'es KO. Toi, t'es pas KO, mais tu l'es maintenant. Toi, attendez. Comment je fais? Parce que s'il me fait poursuite, je suis caca là. L'homme intelligent, hein, on vient de le rencontrer, il est juste là. Bon, du coup, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Après, on va faire ça. Et on finit avec ça. Mais non. Le mec, pas drôle. Le mec, je suis prêt à le mettre KO. Non, en fait, je vais faire une attaque pour me soigner. Voilà. Bon, ça me rapporte de l'argent. Waouh, Vasilis. Vasilis Armaldo, justement, il est là. C'est quoi ça? Kabutops, à mon avis. J'aimerais trop avoir Armaldo en vrai. Lui, je sais pas ce que c'est par contre. Archéoptérix, je sais pas. Kabutops. Kabutops, c'était vachement stylé. Hein. Je reconnais pas tous les Pokémon en fait. Et les gens s'en foutent complètement en fait. Hein. Genre il y a la Team Steam qui barre la route et qui te fait des gros matchs, mais eux. Ouais, regarde, ils sont là, mais eux, non en fait, non, on fait la visite. Et bah écoutez, on est parti pour un double combat, non? Non, il n'y a pas de double combat là-dessus. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Tu vas devenir embêtant quand même, hein. A chaque fois que la Team Steam fait quelque chose, tu attaques. Bah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ne jamais entraîner des Pokémon contre la Team Steam. Non. Eagle, tu t'en souviens. T'as perdu un peu. Oh, ils savent me prendre par les sentiments quand même. Hein. Ah, il aurait été chromatique là, je rentre direct. Hein. Bon, là, je vais... Oh là là, il est tellement beau. Mon Dieu. Ah, mais je peux pas le mettre KO. Hein. Ou alors, faut que je le mette KO, mais avec un bon Pokémon. Ouais. Oh non. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, je vais me mettre KO avec Sam Brûle parce qu'il y a un minimum de respect à avoir, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont appris Mimikeu. Mais les gens, mais on apprend pas un Pokémon de Mimikeu avec ce Pokémon-là, je suis désolé. Minimum de respect, non mais en fait, oui, vaut mieux que tu tombes KO, hein, sinon tu vas te mettre un petit peu la honte. Oh non, mais arrête, là, non, non, vas-y. Vous n'avez pas de cœur. J'ai envie d'éternuer. Est-ce que je vais éternuer? Je sais pas.
J'ai éternué. Excusez-moi. Alors, ok, donc là, blablabla, elle part... Oh, beaucoup d'argent. Assez de ce non-sens. Arrête d'interférer avec nos plans. Je suis un admin de la team Steam et je t'éliminerai. Je vais t'éliminer maintenant. Ravi de t'avoir connu, Eagle. Oh, on la connaissait pas, elle. Avec son petit ventre et son petit nombril. Non, on la connaissait pas. Bon, on va faire connaissance. Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, tu vas mourir dans les minutes qui suivent. Voilà. Oh, un espion. Ah, j'adore les dresseurs qui ont des duos. On va bien s'entendre, hein, parce que, ouais, il faut qu'on fasse connaissance. Parce que très franchement, là, ouais, avoir un petit duo Pokémon comme ça, moi, ça me fait plaisir. In prison, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas Explonui? Non, là, franchement, si tu peux prendre Explonui, c'est abusé. C'est quoi ça? Oh, c'est nul, ça, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros, c'est l'attaque qui fait que si, admettons, le Pokémon adverse connaît les mêmes capacités que Zoroark, mettons, si l'ennemi connaît Feint Attack, l'ennemi ne pourra pas l'utiliser. C'est totalement inutile. Enfin, ouais, j'ai jamais trouvé l'utilité de ça. Je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle en français. Je vais rééternuer, je suis sûr. Je les ai finalement trouvés. Ah, je vais éternuer, c'est hyper énervant. Au milieu de ce désert, la Black Stone et la White Stone. Donc la pierre blanche et la pierre noire. Donc Zekrom et Reshiram. Maintenant, je peux finir notre dernière opération. Team Steam, le plan est complété, il est temps de partir. Bah non, mais on l'affronte quand même. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu te tiens là devant l'entrée? Dégage de ma... Out of my way. Dégage de ma voie maintenant. Non mais toi, t'es trop soumis quoi, mais tu vas l'affronter direct. Tu fais rien du tout. Putain. Le gros lâche. Vas-y, y'a pas... Je vois un poke, y'a un truc qui m'intéresse. Mais prends-la! Oh non, mais mon dieu. Attendez, y'a pas quelqu'un pour me remercier ou je veux un Pokémon badass là? Oui, Flygon, tu l'as pas? Non. Oh. Est-ce que vous pensez que c'est illégal d'aller chercher Chartor, de le capturer et d'avoir un Pokémon après? Bon bah à la limite, c'est pas grave, on va régénérer le Pokémon et puis tant pis. Allez, on va le faire revivre. Voilà, on a un petit Archéoptérix. Archéapti, excusez-moi. Pokémon Rush Vol, donc pas intéressant du tout. Hein. Niveau double type, voilà. Ouais, il a des attaques plutôt intéressantes, hein. On va pas se le cacher. Mais il va aller au PC. Alors du coup, est-ce qu'on peut maintenant aller dans la mine? Eh bien oui, on peut aller dans la mine. Du coup, c'est là que nous irons dans le prochain épisode avec un Kakna plus puissant que jamais contre les Pokémon Roche et les Pokémon Sol de la mine. Enfin, je suppose que c'est ça, parce que si on trouve des Pokémon Feu... Non, des Pokémon Feu encore, ça passe. Pokémon Psy serait bizarre. Des Pokémon Plantes encore plus. Et du coup, on va déposer notre petit Arcapti. Alors du coup, on a quand même une bonne... de bons Pokémon en réserve. Alors toi on peut pas t'utiliser hein, donc on va te mettre là. Je te prendrai un jour Sycomore, je te le promets. Ah, je pense que pour la ligue je vais prendre Sycomore, juste pour le kiff. Parce que franchement ce Pokémon ouais, enfin... Au-delà d'être une personne que j'apprécie grandement, c'est un Corneb, être un Pokémon que j'adore, mais vraiment, vraiment. Franchement, Corboss,
quand il est arrivé dans la deuxième, dans la quatrième génération, j'étais waouh. Est-ce qu'on a une pierre nuit d'ailleurs? J'essaie de combler un petit peu la fin d'épisode. Hein. Je rigole. Non mais j'essaie de regarder un petit peu comme ça avec vous. Moonstone, non on a la Moonstone, il nous faudrait une pierre nuit pour le faire évoluer il me semble. Du coup voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, laissez à me le dire en commentaire aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vais éternuer, je le ferai après cette vidéo parce que sinon ça va être horrible. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde, c'était Eagle State. Bye bye, dites adieu à mes cheveux. A plus.